pits of my heart. I can't say no. It's ripping me apart. Hello tout le monde, ici Pili Berry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer mon rangement d'Olien. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors du coup, premièrement, donc sur cette étagère, dans ces deux boîtes, il y a les outfits stock de mes dolls. Donc que je ne me sers pas, mais que je voulais garder quand même. Ensuite, ça, c'est ma boîte à couture. Et ensuite, sur le côté ici, là, que vous ne voyez pas, il y a cette boîte qui contient les wigs stock ou les wigs que j'ai acheté et que je n'ai pas mis à mes dolls. Voilà. Et dessus, il y a ma petite boîte à perles ou pour créer des bijoux. Voilà, donc là, il y a les élastiques. Là, c'est les anneaux pour les bagues. Et ça, c'est mes perles. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie. Alors du coup, dans cette deuxième partie, il y a dans ce tiroir tout ce qui concerne les obitsu, donc les mains d'obitsu, les embouts, voilà. Tout ce qui est avec les obitsu. Ensuite, dans cette petite boîte, déjà là, il y a les eyelashes. Ça, en fait, c'est ce qui concerne la customisation. Alors, donc déjà, il y a les tatouages que j'ai achetés pour mes dolls. Ensuite, dans cette petite boîte, il y a tous les eye sheet stock ou les eye sheets que j'achète pour mes dolls. Et ensuite, il y a ce petit corps. En fait, j'avais acheté un Isoul, sauf que je sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'avais dû annuler la commande. Donc du coup, sauf que le problème, c'est que j'avais déjà acheté son Obitsu et sa wig. Donc au moins, bah, c'est déjà là, il n'y aura plus qu'à acheter la doll. Donc voilà, c'est tout pour cette boîte. Je rangerai après. Ensuite, dans ce tiroir, il y a tout ce qui est accessoires pour les cheveux, en fait. Donc bonnet, barrette, serre-tête, il y a même des écharpes, voilà. Ça, c'est tous les accessoires, en gros. Voilà, donc on va passer à la troisième partie. Alors, du coup, dans cette troisième partie, bah, en fait, il s'agit tout simplement des vêtements. Donc déjà, je m'excuse pour la luminosité, mais c'est soit trop foncé, soit trop clair. Donc là, je peux rien y faire, j'espère que ça ira. Donc dans ce premier tiroir, il y a tous les bas, donc les jupes, les collants, les jeans et les chaussures. Voilà, donc tout ce qui concerne le bas. Ensuite, dans ce tiroir-là, bah, c'est les hauts, donc les t-shirts, les robes et voilà tout ça. Donc déjà aussi les vêtements de mes garçons et de mes filles sont mélangés. Et ensuite dans ce troisième tiroir, bah là c'est tous les vêtements d'hiver en gros, on va dire, donc les pulls, les kigurumi, les vestes, voilà tous les gros vêtements d'hiver. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ma façon de ranger. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !